Ouais, ça a marché, ça a fonctionné. Oui, on va faire un truc. Oui, si tu veux, si t'as une idée originale, moi. Ben, merci à toi pour tout ça, pour ce super stream. À bientôt. Bonsoir à tous, hein. Ça fait plaisir d'être là, dans l'imprévu le plus total. C'est petit stream improvisé. Je vais vous faire des petits dessins, si ça vous tente. Simplement, le temps que la vraie personne qui est programmée pour pour ce credo-là, c'est-à-dire Erkouet, arrive. Donc pas de panique, tout va bien. Alors, j'étais en train de déballer tout mon bazar. Et je vais vous afficher la tablette. Alors, ah bah, elle est déjà affichée, c'est parfait. Oui, j'ai rien d'autre à faire. On va faire une nouvelle image. Parfait, parfait. Alors, bah, je vais prendre les suggestions. Puisque vous êtes là, vous allez vous rendre utile, le chat. Et vous allez faire des petites suggestions. Je prends toutes les suggestions que vous aurez à me proposer. Je vais pendant ce temps aller vous chercher un peu de musique. Rien de transcendantal, hein, un peu d'accompagnement. Et je vous laisse faire des propositions de choses que vous aimeriez qu'on dessine. Et si vous me proposez rien, ben je me proposerai quelque chose à moi-même. Comme ça. Usul avec son QI. Non, on va essayer de passer. Je peux vous faire un Usul, mais on va être sage pour ne pas faire cette blague extrêmement convenue. Qu'est-ce que je cherche, moi, là-dedans? Ah oui, ça y est, je viens de me rappeler. Alors, hop. Ouh là là. C'est extrêmement fort. Voilà. Voilà, vous me dites si ça convient. Vous me dites le son, la musique, si rien n'est trop fort. Bon. Bon, 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 bon. Une foule de millions de manifestants, Macron à cheval, tel un bon bourgeois. Alors, bon, on va tenter un Macron, même si je suis de loin pas un caricaturiste exceptionnel. On va tenter quand même un petit Macron, pour le plaisir. On va tenter un C'est notre projet, est-ce que ça vous dit? Allez, on va zoomer. Moi, je zoome. Hein.
Voilà. Bon alors par contre, hein, je vous ai mis de la musique libre de droit, les gars. Vous êtes avertis. Ah, il va peut-être devoir prendre un petit modèle pour le Macron, comme je vous ai dit, je suis pas un excellent caricaturiste. Ouais, bah, je fais avec le timing que j'ai, hein, Zarguette. Ah bon, bah alors plus, on a 10 minutes. Alors vous savez quoi? Comme on a 10 minutes. On va faire un petit dessin rapidement, juste pour se faire plaisir. Petite astuce pour faire les yeux, tenez, un petit tuto. La rétine, ensuite vous démarquez la pupille, ensuite vous démarquez la rétine. Et vous noircissez la partie du dessus, comme ceci. Donc pour faire contraster la lumière, là, ça c'est un reflet lumineux, vous voyez. Et ensuite, les stries qu'il y a dans les yeux. Irrégulières si possible. Voilà, petite astuce. C'est une des parties difficiles dans le dessin, c'est d'arriver à obtenir un regard qui ait l'air un peu vivant, quoi. Bon, là, j'ai abusé sur les proportions du visage. Hein. M'en voudrais pas. Alors, hop, tac, je surveille.
Alors, hop, je surveille parce que dès qu'elle arrive, faut que je puisse se passer la main. Ah là, bon, on sera arrivé à faire un petit dessin dans ce court laps de temps. En vrai, la tête irait mieux comme ça, un peu. Lui faire un front un peu plus voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nouveau message non lu? Hop, alors. Bon, si on suit la logique de la perspective, on devrait quand même un peu voir son oreille de ce côté, vous voyez? Hop. Non, pas comme ça. Yo, est-ce que... Ah, voilà Erquette. Est-ce que tu m'entends, camarade? Mais oui, je t'entends. Oh là là, tu me régales. Tu me régales. C'est quel plaisir. Oh. Bah, écoute, ouais, j'en ai profité. Écoute, je suis venu faire un petit dessin. Oh, t'as raison. Attends, j'ai pas vu encore. Tu dessines quoi, là? Bon, attends. Alors, comme justement, on a vu que t'arrivais vite, je me suis lancé dans un dessin de on s'en fout, personnage attends, random numéro 63. Tu sais que, il faut que je confirme... Oh, putain de merde, il faut que je configure encore un peu tout. Ah, putain, je viens de voir. Putain, mec, c'est canon ce que tu fais. Je connaissais pas du tout. Oh, je suis un nobody, hein, comme j'ai dit. J'essayais de m'incruster, d'essayer d'avoir un, tu sais, un créneau en disant... Mais bon, c'est vrai que j'ai zéro commu, faut quand même bien le dire. Oh, dis pas ça comme ça, arrête. C'est pas le but, on n'est pas là pour avoir une communauté aujourd'hui, tu vois. Non, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que en termes d'efficacité, si on veut que, tu vois, que les dons fonctionnent, et... c'est bien de prendre des commus qui sont un peu engagées, et puis nombreuses, c'est pratique, quoi. Alors, je vois des gens dans le chat qui disent qu'il faudrait monter un peu Thomas. Écoute, Aurélien, commence peut-être par m'offrir un verre. Voilà, on va être sur. Ah, mais ouais, c'est parce que c'est à cause de la musique. Alors, attends, c'est parce que le son du bureau. Ah oui, ton Discord à toi hein, qui. C'est le. Un peu light. C'est le son de la. Vas-y, parle. On va voir ce que le chat va en dire. Écoute, maintenant. Mais normalement. Je vais m'exprimer pleinement. Il devrait t'entendre beaucoup mieux. C'est parce que, en fait. Comme j'ai de la musique, j'ai descendu la source du bureau. Et donc, du coup, comme Discord aussi en fait partie. D'accord. Ok. Moi, je risque d'avoir de la zik aussi sur le salon du live. Je pense que tu as encore pour 5-10 minutes le temps que je boucle toutes mes petites installes. J'ai une tête. Je pense que même ma mère me renierait. Et tu voudrais pas faire un test en live par hasard? Parce qu'il faut que je teste un truc, mais je sais pas si ça marche. Vas-y, écoute, si c'est rien qui implique des. Non, mais je vais le mettre dans le chat, pardon. Les gars, on va faire le test dans le chat, ok? Je vais faire un truc, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on fasse un don qui est tombé. Antenne. Quoi? Belmont qui est maintenant, qui follow. Hein, ah, mais putain, est-ce que c'est des alertes? Non, mais non, c'est pas possible, je me suis déconnecté. Je sais pas. Alors attends, parce que moi, j'ai pas mis ce bail d'alerte. Comment on fait les alertes? Comment on les lance? Bah, justement, je crois qu'elles marchent pas, en fait. J'ai eu un faux positif, comme on dit. C'est-à-dire ça doit être, mais non. Ça doit être une alerte d'ailleurs. Fuck. Bon, par contre, il a des clavicules. Tant pis.
reviens, je vais faire un test. Oula, si elle va vite. Après, tu peux tricher, regarde, tu fais un calque comme ça. Tu prends du noir. Voilà. Et tu triches, genre, tu dis, on se dit que la lumière, elle vient de par là. D'accord. Alors, si elle vient de par là, il y en a un peu sous le nez, comme ça, là, de l'ombre. Tu vois. Comme ça. On va y aller à l'arrache, comme ça. Ah, voilà. Ici, hop. Voilà. Un peu, attention, le sourcil. Pas oublier de lui donner sa forme. Comme ça. Ensuite, ici, un peu les cheveux. On utilise le pinceau. Oh le salaud. Tac. Voilà. Les moustaches un petit peu parce que quand même elles sont voilà. Le nez il projette une ombre aussi. Un gros tarin comme ça, ça projette forcément une ombre. Hein. J'en sais quelque chose. Hein. Puis, en dessous là, c'est pareil. Voilà, là, là, on aurait pu peut-être un peu plus, marqué. Oh pardon, désolé. Allô. Non, c'est moi. Allô. C'est moi. Attendez, c'est pour mettre un numéro de téléphone dans le chat. Ah ben non, surtout pas. Si si, c'est faire un numéro de téléphone qui est fait exprès. C'est mon numéro de téléphone de libre antenne. Ah, c'est pour que les gens donc, puissent. Donc je vais le tester pour voir si tout marche bien. Est-ce que dans le chat? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Pourquoi j'ai un retour de... Bah, ah putain, c'est à cause de ça, désolé. Est-ce que dans le chat, vous m'entendez bien déjà? Et ensuite, est-ce que vous pouvez essayer d'appeler, s'il vous plaît, ce numéro? Oui, je suis pas... Bah, super, je suis pas connecté. Voilà, vous voyez, c'est... Ça, ça a l'air de rien comme ça. C'est l'astuce, vous allez voir. Et comme ça là, ça a l'air de rien, c'est fait à la va-vite. Voilà, on va dire que c'est bon. Et maintenant, attention, effet magique, on joue avec l'opacité. Voilà, si on le tient assez loin, vous voyez. Comme ça, là, voilà. On le tient assez loin, bon. Non mais vas-y, Linky, écoute. J'ai peut-être une astuce toute bête, je vais couper le son de l'application Streamlabs directement, comme ça s'il y a une alerte on l'entendra de toute façon pas. Et puis hop, je cache l'alerte box, voilà. Tiens mec, j'ai mis un numéro de téléphone dans le chat si jamais tu veux essayer de l'appeler, ou si jamais quelqu'un dans le chat veut essayer de l'appeler. Ah bah, juste pour tester, on va juste tester le système de libre antenne pour voir, vérifier que tout le monde entende bien. On regarde les amis, on regarde. Ah yes, cool, je sais pas qui c'est mais trop bien. Allô. Allo. Oula, attends, j'ai coupé le live peut-être. Ok, mais tu m'entends bien. Je t'entends bien, c'est nickel. Yes, tu l'entends mec? Geek Zerland. Moi je t'entends. Et tu l'entends le monsieur au téléphone? Je l'entends aussi. Je l'entends bien. Non, je l'entends que toi. Mais oui, toi contre... tu n'entends que moi, ouais. Est-ce que le monsieur du stream, le cher Geek Zerland, t'entends également? Je l'entends bien. Je l'entends. Est-ce qu'il m'entend également? Ouais, il me dit qu'il l'entend également, c'est trop bien. Bon ouais. Bah cool. Nickel. Et bah top, merci, ça marche. Et t'es qui toi en fait? Maxime, le fils de pub. Ah mec, trop bien. Ben enchanté, super. Eh bien cool, on va se poser donc pour une petite libre antenne tout à l'heure. Je fais un petit asset et puis je pense qu'on part dans 5 minutes. Voilà. Okay, oh, 5, okay, 10, 5, 10 minutes. Gros bisous à toi. Ciao. Salut, merci beaucoup. Ciao. Merci. Bon ouais, je suis désolé, c'est un peu à l'arrache. Non mais. Putain mec, t'as fait ça en une demi-heure? Depuis non, je sais pas combien de temps ça fait. Ça doit être indiqué quelque part sur mon Streamlabs. Bah non, tiens, c'est étonnant ça. Attends, il doit pas être cadré. Mais ça fait une demi-heure que tu fais ce dessin seulement?
Je sais pas depuis combien de temps je stream en fait, je vois pas le. Normalement il y a la durée du stream quelque part, mais je vois pas là. Aucune idée. À combien de temps c'était vers 7h. Bah en fait vers 7h05, vers 7h05, 7h10, ouais effectivement, donc c'est ça. Mec, ce que tu fais, je pourrais pas le faire en 10 ans de vie, tu vois. Ouais, mais. j'ai fait ça au lieu de faire mes études, hein. Donc, enfin, non, c'est pas vrai, j'ai fait mes études, mais voilà, j'avais des gros problèmes parce que je passais mes cours à dessiner. Oh la vache, mec. J'hallucine, c'est ouf. Un grand bravo à toi. Alors, je suis dans un suite qui me boudine, c'est un enfer. Ah bah, je pense qu'il est important de remédier à ce problème immédiatement. Pas de faute de goût sur cette initiative collective. Je vais me mettre à poil, tu vas voir, ça va finir tellement vite. Oh non, non, mais j'ai pas fait de faute de goût. J'ai mis un très joli t-shirt White Power qui me scie à merveille. Oh. C'est le truc, le gars qui part en couille direct, tu sais. Comment ça, on a pas le droit de mettre des cagoules blanches avec des t-shirts pointus? Qu'est-ce que c'est que ce stream, enfin? Excusez-moi, si les cagoules pointues, je trouve ça classe. Bon. Eh oui. Voilà. Alors il faut surtout pas clipper ça. Hein. Ne clipez pas ça. C'était des conneries. Oui, parce que là tu viens de ruiner ta carrière, je crois. Ah ouais, non, mais bon, déjà que j'en avais pas. Mais alors là, c'est encore plus. Et peut-être pas que la mienne en plus par association. En ce moment, c'est pas une bonne idée. Hein. Évidemment. Alors attends, je prends un petit module de titre. Je fais du Bob Ross, tu sais. Ouais, grave. Et tu sais quoi, je vais pousser ma voix, je vais être en mode full ASMR. H24, ça va être trop bien. Enfin, H24. Tout le live. Mais c'est vachement apaisant de te voir dessiner. Hein. Je trouve ça très. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de regarder. Je regarde souvent les lives de Boulet, par exemple. Mais je trouve ça vraiment, vraiment chill. Ben en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est, je sais pas si tu as vu comme je colorie. C'est-à-dire vraiment, beaucoup de streamers utilisent tout simplement le soft qui est d'ailleurs fait pour ça, pour rendre vraiment plus pratique le fait de dessiner, etc. T'as des outils pour ça, l'outil remplissage, etc. D'ailleurs, ici aussi, je crois que je l'ai, l'outil remplissage, machin là. Hop. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi aussi, ça me détend à fond en fait de colorier bêtement en fait. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Alors par contre, les mines de mon stylet n'apprécient pas du tout. Parce que du coup, elle s'use deux fois plus vite. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, on lui met un t-shirt rouge parce que c'est un communiste. Gaucho, là. Comment ça va, les J'ai pas trop suivi, du coup, depuis hier, j'étais pas là, bêtement. Mais du coup, comment ça se passe jusqu'ici, le retour, les gens? Est-ce que les gens kiffent? Est-ce que c'est un peu de traction? Dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens kiffent. On a été au début de soirée là avec, enfin au début du stream avec Crane, etc. C'est vite monté à 2000, 2200, etc. On a tenu une barre à 1000, 1200, 1300 là pendant quasiment toute la nuit. Ça s'est un peu calmé vers 7h du matin parce que bon, les gens sont quand même dit allez, on va se coucher quand même là. Il fait jour, merde. Non, il fait même pas jour en plus. C'est terrible. Alors, bonjour les gens déjà, puisque je suis revenu. Et Geekzerland, il y avait Linky qui demandait s'il pouvait partager ta chaîne dans le chat. Moi oui, c'est surtout à vous qu'il faut demander, hein. Je ne suis pas là pour me faire de la pub. Bah vas-y, on va faire ça alors. Bah, c'est très très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup les gens, ça fait plaisir. Allez, on le fait. Quoi, ça fait... J'ai oublié le nombre. Pardon. Grave, moi j'ai trop envie de m'abonner aussi. C'est quoi, tu tweets, tu fais du YouTube? Bah j'essaie de twitcher un petit peu. Bon, en fait, si tu veux, je vais pas te mentir, j'ai un peu tout essayé. Hein. Vers les 2000, c'était en quoi, 2009? Non, plus 2010, 2012, j'ai fait des web-séries, notamment sur Dailymotion. À l'époque, j'étais fan du Visiteur du Futur, tu vois. Ensuite, j'ai essayé de faire des petits dessins animés, j'ai essayé de faire des petits machins. Le problème, c'est que je suis un procrastinateur, en fait. Ah, hein, le gros défaut. C'est pour ça que le stream, c'est parfait. Le stream, c'est parfait, parce que quand t'es un procrastinateur, le stream, c'est des projets à courte durée, généralement, tu vois. Quand tu dessines... Tu pars dans des trucs genre en amont. Tu fais jamais en. Enfin, c'est toujours en amont que ça se prépare. C'est pas genre. C'est pas après, tu vois. C'est vraiment. Tu peux te permettre de tout préparer et après, t'as pas à gérer genre du montage, des choses comme ça. C'est ça. T'as et puis, même, il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi. C'est le fait que, en fait, en vrai, même pas. C'est-à-dire, tu peux. Surtout quand tu fais par exemple du dessin,
Avec Streamlabs, ben, tu peux tout simplement lancer ton Streamlabs, capturer ta tablette de dessin, mettre un peu de musique, t'as vu, et puis vraiment ouais. C'est facile, quoi. C'est ça. C'est clair. Tandis que c'est vrai que c'est peut-être moins tentant pour les gens. Putain, là, bon, je suis avec une pointe bien trop grosse, là. C'est un peu moins tentant pour les gens de peut-être. Regarder des vidéos YouTube de quelqu'un qui dessine, à part en timelapse, où là c'est vrai que c'est franchement sympa. Est-ce que j'ai des images à montrer de choses que j'ai dessinées en live? Il y a ceci. Bon, ça c'est quand je dessine en live, généralement je fais très cartoony parce que sinon j'aime bien aller un peu plus tu sais, dans le détail. Tu me dis quand tu veux récupérer la... Je meuble. Ouais, hein, j'ai encore une musique. Qu'est-ce Putain. Que j'ai... Ah, j'avais fait ça. Ça, là, elle va vous plaire. Ah, mais non, mais mince, c'est pas la bonne... Non, ça, c'était pour ma photo de profil. Il est où, le strip complet? Ah, le voilà. Ah, tu lagues un peu, là, je crois. Je t'entends plus. Ouais, j'étais peut-être un peu loin. Mais là, j'avais un strip que j'avais fait à l'époque... ouais, c'est au début des Gilets jaunes. Mm-hmm. En live aussi. Ouais. Quand il va apparaître dans le stream, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, mais j'ai tout déplacé dans mon disque dur. Ah, mais je l'avais vu passer celui-là, je crois. Ouais. C'est possible, si tu traînes chez Usul sur son Discord ou des choses comme ça, il est peut-être passé par-ci, par-là, ouais. Je l'avais distribué sur le Discord d'Usul à l'origine. Je fais de la merde, désolé. J'ai un soundboard qui... Ne t'excuse pas. Surtout, ne t'excuse pas. Quand c'est pas, enfin quand le truc est pas en premier écran, donc là j'ai tapé un truc et ça a lancé à peu près 40 musiques à la fois. Ça c'est un dessin un peu plus récent, mais alors ça par exemple, tu vois, là j'ai claqué bien 3-4 heures là-dedans. Je l'ai pas fini encore. Enfin je sais même pas si je le finirai, c'est pour ça que j'ai bouclé la ceinture et les bras. C'est-à-dire, j'ai fermé les lignes, tu vois. Je me suis dit, allez, à l'occasion. Autre, il me semblait que j'avais un Mandalorien qui traînait par là, mais je sais pas s'il est pas sur le disque dur, ça. Ok, cool. Ah oui, généralement, ça en plus, bon, moi, je serais incapable de le faire sur du vrai papier, c'est parce que je peux recommencer encore et encore et encore et encore et encore les traits. J'arrive à ce niveau-là sur papier, je vais jamais atteindre ce niveau-là, quoi. J'aurais... Comme quoi? Ok, je suis presque prêt. Juste 33 minutes de retard, hein. Qu'est-ce que c'est dans une vie finalement? Je suis impressionné, 767 personnes. Ah, la tignasse de cet homme. Super, c'est cool. La toison, pardon, tu m'as parlé. Okay. Je me suis absenté. Alors, on va vous en montrer. Alors, je vais chercher mes bouquins et je vais suivre le tuto pour lancer le truc. Ouais, ben, dès que t'es prêt, tu me dis... Ouais. Qu'est-ce que je pourrais... Ah bah je vais vous montrer un projet que j'avais fait. Et il est où? Il est où? Il est là. Hop. Et... Bon, vous êtes tous familiers avec le dernier Spider-Man, Miles Morales, je suppose. Oh là oui. Alors, par contre, j'aimerais bien avoir des grandes icônes. Le problème du disque dur, ça c'est... Comment ça marche? Faut que toi tu arrêtes de streamer et que moi je prenne par-dessus, c'est ça? C'est ça, on switch. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. On switch le. Enfin, moi j'arrête et toi tu reprends droit derrière. Normalement, ça laisse pas trop un gros. Ok, c'est cool. Bah, je prends mes bouquins et let's go. Bouge pas. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'était.
un petit projet de... Le problème, c'est que, encore une fois, là, c'était un projet de fan art sur Spider-Man. Et le souci, c'est que, bon, quand on fait du dessin, le fan art, c'est vraiment beaucoup d'énergie dépensée dans le dessin, etc. Machin. On sait qu'on n'en fera rien. On n'en fera rien de ce genre de... Je vous montre un peu le... On n'en fera rien de ce genre de BD. C'est vrai que ça décourage pas mal de continuer. De continuer la chose. Avec. On a aussi du Miles Morales en civil. Voilà. Boum. Ben je crois que j'ai. Yep. En tout cas, ça faisait plaisir. Écoute, c'était cool. Et puis, de toute façon, à part si c'est Ellie de ce sang, moi, j'ai assisté ce matin. Donc voilà. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'étais pas là du tout. Je disais, tu veux prendre la relève dans l'animation ? Parce que bon, moi, je personnellement, ça me dérange pas de rester encore un peu. Bah, tu peux encore rester un petit peu parce que là pour le coup j'ai rien de prêt, je suis juste levé vraiment hein, donc voilà. Donc si t'as encore un peu de temps. Il n'y a pas de soucis. Merci. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi le stream et vous faites plaisir tous. Voilà. Et bourrez les dents, les gars, bourrez les dents, n'hésitez pas. C'est important, c'est pour aider à l'effort de grève. Bonjour. Hello. Salut Nathalie. Salut Nathalie. Ça va bien? Ça va, ouais. Tranquille. Ah, on a fait une petite passation de... Passation de pouvoir. Ah, c'est bon, vous avez réussi parce que j'ai peut-être beaucoup de délais sur le stream. Bah écoute, on va le faire là. On va le faire. On s'apprête à le faire. Bah écoute, si tu es prêt, tu es prêt, Erquette? Je suis absolument prêt, bien sûr que je suis prêt. Alors, à 3. 1, 2, 3.